Führer, je vous félicite. L'ensemble de notre campagne d'Afrique est couronnée de succès. Si à présent les Anglais ont été repoussés jusqu'au Nil, c'est grâce à vous. Achevons notre tâche. Elle n'est pas terminée. L'action des sapeurs d'assaut a été primordiale dans cette campagne. Vous avez été choisis parce que vous êtes les meilleurs. Ne l'oubliez jamais. De nouvelles tâches vous attendent. Mais avant que vous ne composiez le noyau d'une nouvelle compagnie d'élite, au nom du Führer, je vais vous remettre les décorations qui récompensent ces soldats valeureux pour avoir conquis la ville d'El Alamein et repoussé l'ennemi. Soldats, voici le nouvel officier qui commandera la première section de la deuxième compagnie. Lieutenant von Fitzland, approchez. Que ceux qui doivent être décorés sortent des rangs. Bataillon, à route! Félicitations. Lieutenant von Fitzland, veuillez décorer vos hommes. Pourquoi étiez-vous en retard au rassemblement, caporal? Je ramenais votre prédécesseur de l'hôpital, mon lieutenant. Un héros ne peut pas se permettre d'être en retard, rappelez-vous-en. C'est compris? Sergent, vous espérez recevoir une décoration du Führer dans cette tenue? Oui, mon lieutenant. Cet homme ne sera pas décoré. Bataillon, garde-vous! Regagnez les rangs. Sapeurs d'assaut, soyez prêts à faire mouvement dans une demi-heure. Bataillon, rompez! Ne me laissez pas ici tout seul. Je pars avec vous. Allons, pressons, pressons. Oui, McLaren chérie, la Russie. 2000 kilomètres nous séparent. Cette distance entre nous est effrayante. Je n'aurai pas de nouvelles de toi avant longtemps. Tu peux bien sûr m'écrire. Simplement, ton courrier mettra du temps à me parvenir. Tiendras-tu le coup? Je sais que si ça ne tenait qu'à toi, je serais dans le bureau de ton père, assis dans un fauteuil de cuir, et non sur une caisse dans un wagon de marchandises. Pardonne-moi, je t'en prie. Et essaie de comprendre ma joie. Le doute de ces derniers mois s'est évanoui. Tout d'un coup, ma vie a pris tout son sens. J'ai un but. Auparavant, tout me paraissait d'une importance très relative. Mais aujourd'hui, tandis que je me rapproche du front, cet état d'esprit disparaît progressivement. Et alors qu'il m'arrivait de douter de mes sentiments, non mais te gêne pas, en particulier de ceux que j'éprouvais à ton égard, je réalise aujourd'hui toute l'importance qu'ils ont pour moi. Mais qu'est-ce que tu fous avec ce disque de merde? Essaye au moins de marquer un point, enfin. Même cet abruti de Loupeau, je vois mieux que toi. Eh, c'est pas grave, tous les débutants commettent les mêmes erreurs. Et s'il n'est pas content, c'est parce que son partenaire n'est pas à la hauteur. Eh, c'est à moi. T'exagères, là. Ça t'apprendra à mieux jouer. Parce que quelqu'un sait dans quelle direction va ce train de merde. Que diriez-vous de Stalingrad, messieurs? Excellent, il est temps de leur mettre un coup dans le cul. On leur prendra leur ville en moins de 3 jours. À la vôtre. Tu peux même faire ça sans nous, non? Si j'avais piqué un somme entre-temps, je jurerais qu'on était déjà là il y a une dizaine d'heures. Ouais, ouais. C'est grand, la Russie. Après la guerre, tout ce qu'on voit là, ce sera à prendre.
J'ai déjà commandé une dizaine de femmes et 200 hectares. Ici, je m'installerai jamais dans ce coin. Eh ben, tu repartiras vivre dans ton trou. Regarde-les, ils travaillent déjà pour nous. Creusez, esclaves, plus vite. Et comment on dit plus vite? Davaï, Davaï et Rukivec, c'est tout ce qu'il faut savoir dire. Rukivec. Rukivec. Hé, Adolf va faire construire une autoroute. Elle ira tout droit jusqu'à Kirkov en allant comme ça. Grand pays a besoin d'une chose, c'est que nos camions y roulent. Assez, Reiser. C'est par esprit de camaraderie que vous voyagez avec nous, mon lieutenant. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà combattu? Il y a un début à tout, non? Eh ben, on va bien se marrer. Je vous propose un pari, d'accord? Que moi je m'en tire et que vous y restez. Ah oui. Et quel est l'enjeu? Bon, pour vous, deux caisses d'eau, ça ira. Entendu. Et comment il va te les payer, hein? Les coins. Attends, t'as pas encore vu Stalingrad? Capitaine, je proteste devant l'attitude inqualifiable de vos hommes. Oui, oui, protestez, allez-y. De préférence auprès du Führer. On est là, mon lieutenant. Wir
Lieutenant von Fitzland, sapeur d'assaut du bataillon 336, 2e compagnie, 1ère section. Bienvenue à Stalingrad. Nous aurons bientôt ici tous les spécialistes dont nous avions besoin. Que je vous présente, voici le sergent Pfleger du 11e bataillon des sapeurs, 3e section. Il vient juste de rentrer de Voronezh. J'espère que le voyage a été agréable, mon lieutenant. Nous allons envoyer les Russes dans la Volga prendre un bon bain. Cigarette ? Non, merci. Mon capitaine, je souhaiterais témoigner d'un incident auquel j'ai assisté près de la gare hier soir. J'ai été mis au courant. Vous semblez les aimer, ces Russes, lieutenant von Fitzland. Oubliez cet incident. Veillez à ce que les munitions et les grenades soient remises après l'office. Rassemblement des officiers à 1h. Ce sera tout. Votre oncle, le colonel von Fitzland, est un très bon ami. Il m'a demandé de prendre soin de vous. Dieu avec nous. Ces mots sont inscrits sur la boucle du ceinturon de chacun de vous. Oui, et Dieu est bien avec nous. Jamais remarqué. En effet, il n'est de mission plus sacrée que celle de défendre toujours les valeurs chrétiennes occidentales contre les attaques du bolchevisme et des impies de l'Est. Ce signe sacré différencie chaque soldat allemand de tous ces bolcheviques qui ne luttent pas pour Dieu, mais avec lui. Et c'est pourquoi vous ne serez jamais seul quand bien même vous vous retrouveriez derrière les lignes de l'ennemi. Müller, allez! Oui, mon lieutenant! Allons-y, avancez! En avant! Allez! Non, mais attends, c'est nos artilleurs qui nous tirent dessus! Ouais, mais ces mecs-là, ils font pas de détails. Mais c'est vous! On sort pas de ce trou. Bougez que quand je vous le dis. Messieurs, notre but est cette usine. On doit la prendre à n'importe quel prix. Pour la première vague d'assaut, l'objectif est la mitrailleuse qui bloque l'accès au fond. Quand notre artillerie s'en mêle, les Russes ferment leur gueule. Il reste quelque chose, mon capitaine ? C'est très bizarre. Tenez, mon capitaine. Nous sommes au point 21. Cessez le feu. Je répète, cessez le feu. Et où sont les 5 canons prévus? Pas un seul en vue, comme d'habitude. Eh bien, on s'en passera, mon commandant. Le champ est libre jusqu'à l'usine, mon capitaine. On ouvre le feu que sur mon ordre, et on progresse en silence. C'est compris? Eh bien, messieurs, en avant! Essayez de faire ça, merde! Je l'ai pas fait exprès! Et maintenant, les Ruskov sont prévenus. Je m'excuse. Y a rien à faire, il est mort. Tous à l'abri, vite! Ah.
encore ça. On dit qu'ils sont meilleurs que les nôtres. Ils s'enrayent jamais. Défends-toi. Tu peux descendre quelques Russes avec ça. En avant. Évitez les réservoirs d'essence! En avant, ces enfants! L'objectif est presque atteint! En avant! Allez, mon gars, c'est par ici! Bah, qu'est-ce que t'as? T'as le cul collé? Rouille! Hé, hey, toi, c'est par là! Allez! Non, non! J'irai pas! Merde, allez! Sors-toi de ce trou! Allez! Tu dois aller te battre! Volk, laisse-le! Prends sa plaque et amène-toi! Merde! Tu veux rester là? Alors reste-y! Reste là et bouge pas! T'es déjà dans ta tombe! Rigole pas! C'est toi qui as décidé de crever ici! Merde, restez pas là! Allez, debout! En avant! Allez! Je t'avais prévenu, espèce d'idiot! Suivez-moi! Impossible. Enfumez-moi tout ça. Les fumigènes, allez! Il a raison, mon capitaine. On devrait se replier. Feldman, vous allez pouvoir vous racheter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez que votre femme soit fière de vous quand vous rentrerez? Qu'elle soit fière de vous accueillir? Laissez-moi y aller, mon capitaine. Non, je vais y aller. Je vais vous faire honneur, mon capitaine. J'en suis certain, Feldman. Prêt à le couvrir? Foncez! John Feldman a payé sa dette. Maintenant, messieurs, nous allons les écraser. Pfluger, vous allez monter par la gauche. Wissland, l'aile droite. On prend ce bâtiment d'assaut. Vous êtes prêts? En avant! Tu te planques ici, tu nous couvres et tu flingues tout ce qui bouge. Allez, le gros, viens! J'ai pas vu que c'était lui. Je suis un assassin, allez-y, tirez! Il a été bien d'armes chez Sam. Soudain, il Marais! Allez, grouille! Allez, Kiver! Davaille! Davaille! J'ai tué mon copain! C'est moi qui l'ai arrête tué! Arrête tes conneries! C'est ça! Je suis un salaud! Je veux plus vivre! Ouais, d'accord. J'ai tué. Et maintenant, ferme-la! Tu la fermes! Mais t'en fais pas! Ça m'est arrivé à moi. C'est normal dans un corps à corps. Si ça avait été un Russe et si t'avais pas tiré, tu serais mort.
жаль, что я с тобой. Не уходи. Ну что же, я буду. Le troupe de volontaires. Reed, c'est moi. Parfait. C'est bon. Prêt, le gros. 1, 2, 3. La croix de fer est à nous cette fois. Mais elle sera très belle sur le couvercle de ton cercueil. On saute. Oui. Nom de Dieu. Faites que je m'en sorte ou ma mère en mourra. C'est gagné. Allez, qu'est-ce que vous attendez, mon Dieu? Vous voulez qu'on perde encore 300 hommes? À l'attaque! En avant! Allez! En avant! Ouvrez chaque issue. N'avance pas! Ne bouge plus! Au Québec! Allons, au Québec! Au Québec! J'ai chié dans mon froc. J'ai chié dans mon froc. Il n'y a pas que toi, je te rassure. Je préférais le faire autrement. Je voulais atteindre un point précis sur la Volga, une ville précise. Il se trouve que cette ville porte le nom de Staline. Mais ce n'est pas pour cette raison que j'y ai envoyé notre armée. Elle aurait pu s'appeler autrement. C'est un point stratégique important. On y bloque un transit de 30 millions de tonnes de marchandises, y compris 9 millions de tonnes de pétrole. C'est là-bas qu'arrive le blé d'Ukraine et de Kouban pour être acheminé vers le nord. C'est aussi là-bas que sont exploités les gisements de manganèse. C'est une plaque tournante de grande importance. Je voulais la conquérir. Comme vous le savez, nous sommes modestes. En fait, nous l'avons déjà. Il ne reste plus que quelques poches de résistance. Certains se diront, pourquoi s'arrêter là? Parce que je ne veux pas d'un autre Verdun. Je préfère mener cette lutte avec de tout petits groupes de choc. Le temps ne compte pas. Nous bloquons la Volga, c'est ça qui est important. On ferait mieux de surveiller les Russes. De tout petits groupes de choc. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as beau compter, on n'est plus que 62. Tiens, pour ta collection. On était 400 exactement quand on est descendu du train. Crie-le sur les toits. Ça remonte le moral. Au moins, on a réussi à piquer leur poil. Après une attaque, je bégayais toujours. Si tu bégayais, c'est qu'au moins t'es en vie. Oui. Félicitations, mon garçon. Eh, tu t'en es tiré. J'en ai pas besoin pour être courageux. Crétin. Tu penses à quoi? À rien du tout. Dès que tu laisses ton cerveau fonctionner, t'es foutu. Alors j'évite. Le gros. Avec ça, tu viseras mieux. Ah, t'as un interrupteur. Tu tournes le bouton. Et tu arrêtes de penser.
Excuse-moi. Sois contente, tu peux encore chialer. C'est bon de pleurer, tu sais, ça graisse le moteur. C'est quoi ton nom ? Muller. Il y en a plein de Muller. Dis-moi jusqu'à la prochaine attaque. Mais toi, tu es le grand guerrier Muller. GG Muller. Ça va aller, GG ? L'ennemi a voulu pointer son nez, mon lieutenant. Ils ont des blessés à récupérer. Alors moi, j'ai tiré. Les Russes auraient fait la même chose. Silence ! Qui parle le russe ? Moi, mon lieutenant. Vous allez leur proposer de respecter une trêve pendant quelques instants. Le temps qu'on ramène les blessés. Aucun contact avec l'ennemi n'est permis, mon lieutenant. Notre capitaine l'a formellement stipulé. Tu fermes ta gueule, Muller ! Tu vas la fermer, hein ? Espèce d'abruti ! C'est pourtant vrai, c'est marqué dans notre règlement. On peut oublier le règlement dans notre situation. Allez, Falk. Obéissez, c'est un ordre. Наш лейтенант спрашивает, что вы должны идти с ранеными? Мы выходим, но вы должны выходить первые. Ils veulent qu'on y aille d'abord. Je reste ici. Je suis d'accord. Amy Golds. Oui, mon lieutenant. Transmettez l'ordre de cesser le feu. Et demandez des brancardiers. Abeille à ruche, cessez le feu. Demandons brancardiers. Je vais avec vous. Abeille à ruche, cessez le feu. Demandons brancardiers. Toi, tu bouges pas d'ici. T'es marrant, toi. T'es comme mon fils. Il a quel âge, votre fils ? 3 ans. Алёша, всё будет хорошо. Лежи, мы тебя вытащим. Всё будет хорошо. Thank you.
Что ты делаешь? Я тебе помогу. Не умирай. Si vous êtes bon pour la croix de fer, à tous les coups, mon lieutenant. Qui a ouvert le feu ici? Toi, you mad! J'attends, qui a ouvert le feu? Doucement, mon garçon. J'en ai vu un qui était en train de vous viser. Alors j'ai ouvert le feu. Vous n'êtes qu'un menteur! Non, c'est exact, je l'ai vu. Vous passerez en cour martiale. Très bien, d'accord. Et moi, je balancerai tout au capitaine. Je dirai que vous avez traité avec l'ennemi. Pas besoin de justice avec cet assassin. Envoyons-le rendre une petite visite aux Russes. Ton nom sera dans le journal. Dans la rubrique nécrologique. Gars, abruti, arrête de pioncer. La Larata. Bon, ça a l'air. C'est seulement après notre bouffetance qu'ils en avaient. Ah, voilà le courrier. Amène ça ici. Reiser. Tiens. Amy Goltz. Bon, de quoi on est menacé aujourd'hui? C'est de la merde, comme d'habitude. Ils sont complètement cinglés, les cristaux. C'est imbouffable, leur truc. On devrait les obliger à le becter. Arrête de râler tout le temps. Tiens. Ah oui, bien sûr. On est les monstres qui avons envahi ton pays. Tu veux lire le journal? T'as pas reçu de lettre? Merde, elle me parle encore du petit dernier. Je posais déjà que de ça dans la lettre d'avant. Et puis pas un seul mot sur la vache qu'elle est bientôt vêlée. Bref, elle a jamais rien eu dans le ciboulot. Elle était toujours dernière à l'école. On l'appelait la naine. Elle était tellement minuscule. Ouais, d'accord, mais elle est grande au lit. J'aimerais quand même bien savoir comment va ma vache. C'est vrai quoi, c'est embêtant. Écoutez ça. Ils ont attrapé celui qui nous volait nos œufs. J'espère qu'ils vont le pendre, ce salaud. Oui, alors, tu peux parler. Tu détrousses bien les cadavres. C'est des Russes, et puis c'est pas pareil. Ici, c'est la guerre, mais pas en Allemagne. Non, c'est pas une lettre pour toi, ça? Connard. C'est de ta femme? Ouais, elle est restée chez nous pour garder les meubles. Schalke a étalé Hanovre 3-1 cette fois. Hambourg a encore perdu. C'est dans ta lettre. Mais... ouais, en tout cas, moi, après la guerre, je jouerai pour Brême.
j'ai bien failli être pris dans l'équipe. Le football, c'est une connerie. Moi, je fais de l'aviron avec ma femme. Et pendant qu'elle rame, moi, je suis à l'arrière et puis je fais la sieste. Comme ça, elle m'emmerde pas le soir. Oh, Miniatorge. C'est un lièvre ou un lapin? Большие. Ah. Плохо, гвозди. Музей. Очень холодно. Très froid. Холода. Это русская зима. Дай, je répare. Je cordonnier, père cordonnier, grand-père cordonnier. Vos gueules! Comment on dit ça en russe? Ça te dérange? C'est joli ce qu'il chante. De mauvaises nouvelles? Un bombardement? C'est presque ça. Pendant que je me crève le cul dans cette chérie, ma femme se tape un enculé de français. Un prisonnier de guerre. C'est interdit pourtant. T'en es certain? Ah. C'est sûrement des ragots. Elle me l'a écrit de sa propre main. Elle devait avoir peur que je la prenne par ma mère. Et merde. Les Français ont pas tenu. On les a battus en 6 semaines. Alors là, elle a la trouille. Tout ça, les Russes vont le payer. Mais c'est un Français. Ça m'est égal. Qu'est-ce qu'il a? Rien qui te concerne. Sa femme le trompe, mais gardez-le pour vous. C'est bien que tout le monde me déteste. Et surtout vous, mon lieutenant. Je suis qu'un cutéreux pour un homme comme vous. Prends les deux. Ah, laissez-moi tranquille. Sans vous, on serait tous morts. Vous êtes mon meilleur soldat. Et puis vous l'avez gagné, votre pari. Mon lieutenant, par ici! Faut se barrer de là! Nom de Dieu! Nom de Dieu! Attention! Gardez toutes les issues! Vous êtes encerclés! Il faut partir dans les sous-sols ici, on ne tiendra pas! Heiser! Heiser! Ici, mon lieutenant! On n'a plus aucun contact radio! Prends les deux, prenez votre lance-flamme et descendez! Comment ça? On part que tous les deux? Je vous rejoins avec Evig Holt! Vol! Vol! À vos ordres, mon lieutenant! Essayez de tenir, mais si on n'est pas revenu d'ici 2 heures, décrochez! On règle les mots! 7 heures, d'accord? Heure allemande! D'accord! Le chien radio, il me fait chier! Mon lieutenant! Laissez-moi aller avec vous! On n'a pas besoin de toi! Qu'ils viennent, mon lieutenant! Il nous portera chance! Bon, d'accord! Evig Holt! Je lance flamme! Thank you.
c'est pas par là. Ouais, je crois que c'est par là. Fritz, amène-toi. Mon lieutenant. Reiser, Rolleder. Au Québec, lève-toi. Allez, grouille. Mets en l'air. Nous sommes beaucoup ici. Et si je crie? Je te tue. Et ils te tueront. Au Québec. Au Québec. Dis ça correctement si tu veux parler russe. Qui sait? Il est mort. Убивайте, вы мастера. Tais-toi ou t'y passes toi aussi. Tire-moi dessus, ils te tueront. Tu ne sortiras pas de là vivant. Avance. Par là, il n'y a pas d'issue. Bon, écoute, faisons la trêve. Je te montre où sont tes hommes et toi, tu me laisses filer. Et pourquoi je te croirais? Si j'avais voulu, j'aurais pu déjà te tuer. Avec ça? Oui, avec ça. Attends, qu'est-ce que tu planques dans l'autre? Mayaloshka, tu veux ma cuillère aussi, lieutenant? Qui t'a appris notre langue? Entendu. Je te donne ma parole d'officier. Tu m'aides à repartir d'ici et t'es libre. Tu passes devant. Oui, bien sûr. Lentement. Vous êtes pas blessé? Non, ça va. Bon, allez, on se barre de là en vitesse. Allez! Ça va? Merci, Reiser. Je n'oublierai pas. Amy Goltz. Ça vient par là. Edgar. Tranquille.
porcherie ici. Y a personne pour s'occuper des blessés. Non, y a plus personne. Les Russes ont réussi à enfoncer nos lignes. C'est sûrement à cause de ces sales Roumains qui ont capitulé. Ne me laissez pas ici. Restez tranquille. Maman, on va trouver un docteur. Maman, reste allongé. Maman, t'as disparu. Je la veux. Calme-toi. Maman. Oh, j'ai mal. J'ai mal. Où sont les médecins? Je sais pas où ils sont. La maman. Docteur. 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 Venez. Je suis pas docteur. Allez, avancez. C'est là. Mais écoutez, je suis pas au docteur. Au travail. Mère Dreiser, tu es fou. Baisse cette arme. Vous voulez qu'il crève ici? Il laisse tout le monde crever ici. Allez, soigne-le. Mais je suis pas médecin. Tu vas le soigner. Vous autres, vos gueules. Grouille. Edgar, le docteur est là. Aidez-moi. Lâchez cette arme. Mon capitaine, laissez-moi vous donner des explications. Taisez-vous, c'est un ordre. Nous revenons du front. Taisez-vous. Nous avons risqué nos vies pour vous nos camarades. Vous allez vous taire. Mais enfin, Schroeder, où étiez-vous donc? Mon sac et ma veste. J'exige qu'un rapport détaillé sur cette histoire de fou soit transmis au quartier général demain matin. Ce sera fait, n'ayez crainte. Edgar est mort. C'est pas possible. On a fait tout ça pour rien. Vous êtes aux arrêts. Rendez vos armes et ceinturons. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai pas voulu ça. Mon capitaine, je demande à voir le général immédiatement. Sans doute espérez-vous un traitement de faveur, hein? Enfin, bien sûr, c'est votre droit. C'est vrai que vous êtes l'ami des Russes. Emmenez-les. Qu'est-ce que vous fichez, tas de fainéants? Cette route devrait déjà être ouverte! Y'en a des médailles, celui-là. Ça te rend jaloux? Ah tiens, vas-y, demande-lui la permission d'aller les toucher. Espèce de salaud. C'est à cause de toi si on est là, en plus. Arrêtez! Mais non! Gardez vos forces pour le front! Là, on vous verra à l'œuvre! Allez, tous dans le camion, en vitesse! Avance! Moi aussi! Mais je suis pas avec eux! C'est un ordre, allez, dépêche-toi! Comme c'est Noël, je vais donner un peu de pain à chaque homme qui est ici. Du moins à ceux qui le demanderont gentiment. Je veux vous entendre tous dire, s'il vous plaît. Allez, ex-lieutenant, vous d'abord, je vous écoute. Mon lieutenant. S'il vous plaît. Descendez-moi de là! Allez, maniez-vous! C'est de la folie. Ces hommes n'ont pas la force de se battre. Tu bouges ou je tire? Allez, tire! Ça m'est bien égal! Laisse-le! Lâche ça! On t'a pas chargé de faire le boulot des Russes! Qu'est-ce qui se passe ici? Hermann! Vous perdez la tête! Cet homme refusait de sortir du véhicule! Hors de ma vue tout de suite! C'est du suicide, cette opération de commando. Cette fois, j'irai pas. Alors rentre chez toi.
J'en ai assez chié, ça fait des mois qu'on merde. Ouais, y'en a marre, maintenant ça suffit. Silence, messieurs. Ça fait des mois qu'on se gèle dans ce trou, pour rien. Eh ben, descendez-nous tous, on en a rien à foutre, y'en a marre. Silence. Oui, qui nous tue tout de suite. Écoutez-moi. Hier, les Russes ont essayé toute la journée de nous reprendre Marinoska. Ils s'acharnent. Malgré de lourdes pertes, nous avons réussi à tenir cette position. C'était idiot. Parce que cette position est capitale pour la suite des opérations. Mais sans votre aide, nous ne tiendrons pas très longtemps. Pourquoi est-ce qu'il est important de tenir cette position? Marinovska est notre base la plus proche. Les unités blindées envoyées par le général Hott n'ont pas rencontré les difficultés que nous avons. Les renforts ne sont donc qu'à quelques kilomètres de nous. Et vous le savez bien tous. L'unique moyen de nous sortir de là, c'est d'empêcher les Russes de passer. Alors je vous pose la question. Allez-vous vous laisser affamer sans combattre? Voulez-vous être tous tenus pour responsables de la mort de 300 000 de vos camarades? Réfléchissez bien. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se battre? Il nous laisse pas vraiment le choix. Fritz, on va s'en sortir. Tant que le capitaine nous guidera, ouais, nous nous battrons. Mais s'il tombe, nous voulons qu'on nous dégage de cette mission. Ouais. Très bien, c'est d'accord. Bien, messieurs, le moment est venu d'accorder une chance de se racheter à ces prisonniers. Vous serez donc officiellement réhabilités à vos rangs et grades après ce combat. Witzland, veuillez me donner votre parole d'officier allemand au nom de vos hommes. Vous l'avez, mon capitaine. Très bien. Prenez vos munitions. Nous nous partagerons en deux escouades. Volk, vous prendrez la première, Müller la seconde. Ce sera tout. Otto, approche. On a toutes les chances d'y rester. Pourquoi est-ce qu'on capitule pas? Tu sais pourtant ce qui arrivera si on se rend. On l'aura bien cherché, non? Je ne suis pas un nazi, Otto. Non. Vous, les officiers, vous êtes pire que les nazis. Vous avez pactisé avec eux, alors que vous saviez très bien à qui vous aviez affaire. Et pourtant, je t'avais prévenu de ce qui allait arriver. Hermann. Otto. Et je m'en tire encore ce coup-ci. J'écrirai à ma femme pour lui dire que je lui pardonne. Ben moi, j'ai fait écrire à ma femme que j'étais mort. Ça vaut mieux. Crois-moi. Oui, mais on va revenir chez nous. Un de ces jours. Ça change rien. J'ai un conte de Noël pour raconter. Chez moi, en permission, il y a exactement un an. J'ai eu le droit à la permission de Noël, parce que j'avais bousillé trois tanks. Ma femme et mes enfants m'attendaient à la gare. J'avais l'impression d'être en face d'étrangers. Ma femme a essayé de me comprendre, mais plus elle était gentille, moi, je la haïssais. Bon, je me suis barré. Je suis saoulé aussi, je trouvais rien de mieux à faire. Ma femme a été plutôt soulagée quand je suis monté dans le train le lendemain. Dommage pour les gosses. Je suis arrivé à temps sur le front pour la nouvelle grande offensive. Là, j'étais chez moi. Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
Tu vois, d'ici, on est aux premières loges. Tu préférerais être avec les gradés? Entre Pecno, faut s'entraîner. Tu fais des études? Ça s'entend pas quand tu causes. Tank. Qui est-ce qui a les mines? Rollo. On dirait le chapeau de ma grand-mère. Rollo, une mine, vite! Amuse-toi bien. Ton cul, Fritz. Fais ! Qu'est-ce que fiche notre artillerie ? Mais c'est nous l'artillerie !
Merde, il manquait plus que ça. Je commençais à m'habituer à ce bras. Quelle saloperie. Tout va bien, mon capitaine? À chaque fois, les Russes touchent mon côté droit. J'ai de la chance. C'est mon dernier. Mais je tiens à le partager avec vous, lieutenant. Merci, mon capitaine. Il ne reste plus qu'à regagner notre camp et y attendre la division de Hoth. On remporte le canon avec nous. Où sont les chevaux? C'est nous, les chevaux. Allez, tous dehors, dépêchons. La porte, mon Dieu, ça caille. J'ai dit dehors, t'as pas entendu? Maniez-vous! Hein? Les permissions sont toutes annulées, nous restons là. Mais vous vous foutez de nous, non? Bon, assez discuté dehors. T'es le genre à chier dans ton froc quand tu rencontres un russe, toi, hein? C'est vrai que je pète de trouille, et alors? Ouais, j'ai peur! J'en ai marre de toute cette merde, j'en ai marre, marre! Mais où est ma solde, d'abord? Où sont les 36 marques qu'on me doit chaque mois? Si vous me les payez pas tout de suite! Je rentre chez moi. À pied. Calme-toi, le gros. L'armée russe nous a débordés de partout. On peut compter sur aucune aide. Tout ça, c'est que le début des festivités. Allez, avancez! Remuez-vous, abruti! Allez, plus vite! Voyez-vous! Marchez, allez! Au nom de notre Führer. 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 Alors, vous me faites exécuter les ordres reçus. Et sans discussion, immédiatement. Mon général. Allez. Nous avons encore un petit détail à régler. Lieutenant, suivez-moi avec vos hommes. Allez, en route. Messieurs.
quand même pas faire ça. C'est pour fêter notre retour. Pour pas qu'on oublie dans quel camp on est. Écoutez tous. Tous les civils qui sont devant vous ont été condamnés parce que ce sont des saboteurs. Vous allez les exécuter. Vous-même, allez debout. Depuis hier, on n'arrête pas de fusiller. Tu parles de saboteurs. On peut pas les nourrir. Voilà la vraie raison. Je refuse de faire ça. Ça servira à rien, GG. Si tu refuses, ils t'aligneront à côté d'eux. On n'y peut rien, comme ça au moins leurs souffrances sont terminées. Écoute, je peux pas le faire. Mon lieutenant. Le garçon qui est là a travaillé pour nous. Et pour les Russes aussi. Alors ferme-la. Qu'est-ce que c'est que ces palabres dans les rangs? On est pressé, il y en a plein d'autres qui attendent. Mon capitaine, vous ne pouvez pas exécuter ce jeune garçon, je m'en porte garant. Tiens donc, mais c'est encore vous? C'est parce qu'il a un joli visage? Ou bien parce qu'il vous rappelle un mignon de chez vous? Hein? Tueur d'enfants. Ta gueule, le gros, ta gueule, connard. Tu vas nous refoutre dans la merde. Veuillez regagner votre place. C'est toi, l'officier. Fais quelque chose. Ferme ta gueule, je m'en occupe. Silence! Soldats, en joue! Pourquoi il se dégonfle devant cette ordure? Feu! C'était pas la peine de tuer ce môme si c'est pour nous laisser crever ici. Si t'es trop lâche pour tenir tête à cette brute qui nous commande, donne au moins l'ordre qu'on se taille de cet abattoir. On arrivera bien à l'aéroport, d'une façon ou d'une autre. Et une fois là-bas, le premier avion est pour nous. Dis pas de conneries, le gros. Je me tire, sérieux. Tu sais ce que tu viens de dire, là? Ça s'appelle de la désertion. Dites quelque chose, mon lieutenant. Je ne me sens plus tenu par ma parole. Après ce qui vient de se passer, je crois qu'on a tous le droit de s'en aller. Merde, où est-ce qu'on est ici? Aucune idée. Demandez le chemin. Où Pitomnik? Pitomnik? Où? Есть хочется хлеба дай. Хлеба.
cet homme, Nick? Ben, toujours ouest. Descendre montagne. 5 verstes d'aérodrome. Спасибо. Merci. Viens. Regarde, Fritz. C'était une colonne de blessés. On peut encore lire la signature. Dr. Ryder. C'est notre laissez-passer. Avec cette signature, on peut rentrer chez nous. Tiens. On n'a plus qu'à... Enfin, on se dégote 3 de ces papelards. On se met des bandages. Et on est des blessés. Maintenant, vous n'êtes pas le seul soldat blessé ici. La brûlure de poudre à canon. Il s'est fait ça lui-même. J'étais dans une tranchée au corps à corps. Emportez-moi ce sale traître. Non, docteur, pitié, non. J'ai la trouille. Il faut se tailler. On va se faire choper. Il est trop tard pour s'en aller. On se ferait repérer. Fais bien gaffe à ce que tu dis. Toi aussi. Maman. Au moins, je ne suis pas le seul sapeur d'assaut ici. Des soldats d'élite comme nous devraient tous être envoyés ailleurs. Ça servirait à quelque chose, au moins. Je me suis battu, j'ai des témoins. Vous ne pouvez pas traiter un blessé comme ça. Oh, j'ai des témoins, mon Dieu. Est-ce que tu as une petite fièvre? La signature n'est pas lisible sur cette étiquette. Quel était ton docteur? Qu'est-ce que tu as, toi? Tu es muet? Docteur Ryder. Excusez-le, mon capitaine. Il est en état de choc depuis la bataille. Son meilleur ami a été écrasé par un tank. Tiens, mon garçon. Ça, c'est pour ta fièvre. Tu seras bientôt chez toi. Prends bien soin de lui, toi. À vos ordres, mon capitaine. Allez, avance. Où est le lieutenant? Hans! Hans! Mon lieutenant! Hans! On est ici! Reculez! Reculez! Pas là-bas, reculez! Laissez-nous partir! Charger l'avion! Ah! Mon lieutenant! Ah! Allez! Allez, reculez! Salaud! Tu tires sur des soldats de ton pays! Salaud! Tu oses tirer sur nous? Salaud! Dégage de là! Non! Ah! Viens vite! On est là, dépêche-toi! Ah! Vite! T'attends, vite, allez!
aurais pu y arriver, toi aussi. Otto ? Notre cercueil vous manquait. Salut. Vas-y doucement. Tu as été blessé ? Il est devenu fragile, notre grand soldat. C'est que de l'exanthème, il a des furoncles partout. Capitaine, c'est pire. Il n'y avait pas d'avion pour vous ? Non. C'est très agréable de crever ici tous ensemble. Allez, joue-moi un air. Amitié du Führer. Tu pars. Des saloperies de décoration. Ma croix de fer. Debout. Debout, soldat. Écoutez bien ce que j'ai à dire. Maintenant, je veux un rapport sur tout ça. Lieutenant. Où est votre unité ? Il faut de la tenue partout où nous allons. Ha ha ha.
Par conséquent, ceux qui se livrent au pillage sont exécutés. Et apparemment, vous l'avez oublié. Restez où vous êtes. N'avancez pas ou je tire, compris? GG! GG! Officiellement. Reste avec nous, GG. Tu vas rentrer à la maison. On va rentrer ensemble. Lieutenant, écoutez, vous mettez aux arrêts cet homme et vous me ramenez à mon QG. C'est un ordre. Vous voulez un rapport? Le jeune russe s'appelait Kolia. Et ce jeune soldat, c'était Müller. Müller, comme tant d'autres. J'ai une proposition à vous faire. Lieutenant, j'ai une proposition à vous faire. Vous devez avoir faim. J'ai des provisions. J'ai à manger. C'est dans la maison en pierre, qui est là-bas derrière le théâtre. Les Allemands ne tuent pas les Allemands. Je suis un officier. Vous ne pouvez pas m'abandonner ici. Arrête, ou tu seras malade. Par ordre de grade, chacun son tour. D'accord? Vous êtes le premier, mon lieutenant.
Ouais, GG, c'est du bon. Maccabée Rollo. À la tienne. Maccabée Otto. Maccabée Fritz. À notre grande offensive. Tu connais bien notre langue. J'ai appris aussi à vous connaître. Ma mère était allemande. Ça me plaisait de lui parler avec elle en allemand. Je n'attends plus rien de la vie. J'ai fait un cauchemar. J'avais très envie de pisser et j'y allais jamais parce que je dormais. Rêve de merde. C'est mieux que de pisser, hein, mon lieutenant. Tenez, c'est de la vraie nourriture. Après ça, ça ira mieux. Je vais lui apprendre à bien se tenir, celle-là. Vous ne la toucherez pas. Pas question. C'est compris, hein? Allez, levez-vous! Rolleder, venez m'aider. Oui, mon capitaine. N'y va pas. Laisse-le m'aider ou je te descends. Ne bouge plus. Tu n'attaqueras pas ton capitaine, hein, Rolleder? Viens par ici. Oui, mon capitaine. Vous n'avez aucun compte à me rendre. Vous avez tous été de très bons soldats avant de vouloir survivre à tout prix. Tu vas la fermer, oui? Nous n'avons plus le choix. Tu le sais aussi bien que moi. Vous êtes des soldats pour toujours. Nous n'y pouvons rien. Et votre univers, c'est la guerre. Tu es encore officier. Alors arrête de rire. Otto, on va repartir au front. J'ordonne qu'on y aille tous et tout de suite. Tu veux un pire, oui? Hey, Hitler. Allons-nous-en. Attendez, mon capitaine. Je veux sortir d'ici. Je vais vous aider. J'ai besoin d'air. Vous êtes tous cinglés de rester ici. On va repartir bientôt. Restez éveillés. Où est le front? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon général, je suis le sergent Rolleder. Le capitaine a été blessé. Donnez-moi ce PM. Allez, dépêchez-vous. Je suis un déserteur. Dites pas n'importe quoi, allez, levez-vous. Allez. Suivez-moi. Messieurs. Où est le front? Où est le front? Je veux pas crever. Pense à ce qu'on dira chez toi. Si tu meurs en soldat, au moins, ils seront fiers de toi. C'est important, je crois. La Sibérie, sans moi. J'ai déjà eu assez froid comme ça. Je vais vous...
vous aider à sortir de là. Je vais avec elle. Ça m'étonnerait qu'on fasse plus de 100 mètres. Mais c'est sans importance. Давайте. Ну, пора уже можно. Vous êtes presque tiré d'affaire. Ce qu'il y a de bien avec le froid, c'est que t'as pas mal. Tu sens plus rien. Tout est gelé dans ton corps. Il fait trop froid pour pleurer. Oui. Oui, c'est fini. Fous le camp. Allez, fous le camp. Tu m'entends? Tu sais, avec le froid, tu... Ici, tu risques pas de coup de soleil. T'as déjà été dans le désert? C'est horrible là-bas. Il fait tellement chaud. Tu es toujours trempé. Tu baignes dans ta sueur.
T'as l'impression de fondre comme un morceau de beurre. Le désert, c'est de la merde. Et tu peux presque toucher les étoiles. Tu le savais ?